plan. Si tu m'es rentré dedans, t'es là. Ça y est, nique sa mère, nique sa mère. Il y a des Aztecas, ils sont pétés. On vient de faire un accident, on vient de faire un accident. Tranquille, on vient de faire un accident. Descendez, descendez. Je t'endette, c'est comment? Propose-moi au pire. T'as voulu me taper parce que t'as perdu 25 000, juge. Là, je te fais quoi? Je t'ai et en plus, j'ai des Beretta. Ah bah, du coup, on est quitte. Bah non, on n'est pas quitte. Bah si, j'ai perdu, t'as perdu. Ça coûte plus que 25 000. C'est quoi, on part dans ce délire de remboursement ou tu vas arrêter de nous taper? Bon bah attends, on est quitte, hermano, j'ai perdu, t'as perdu. D'accord, donc on est d'accord, tu ne me taperas plus. Non, non, non. Vas-y, j'actionne. Je veux qu'il crie pika pika avant qu'il arrive. Voilà. J'entends pas, monsieur. J'entends pas, monsieur Alvaro. J'entends pas, monsieur Alvaro. C'est bon. Tranquilo. Bon, vas-y, on va la mettre là, la couture. Vas-y, c'est parti. Je suis à la plage, tout à droite. Et nous, on est parti, on est fait forer, nous. 37, ben voilà, je suis Ménésia, je suis tout cœur avec toi. Parce que voilà, c'est. Particles collide. Hein? J'ai pas de drogue, moi? Oh, hey, ma. Oh, lola, hermano. Tiens, prends ta conso, me fais pas chier. Passe-moi la plata et pars-toi, espèce de merde. Et je te vois racheter de la drogue au Mara, tu verras ce que je te fais. En fait, mais déjà, je pense qu'il va augmenter. Il va augmenter quand il va être introduit sur coin de base et je sais pas quoi là. Cette place hier était plein de Mara. Hein? Vous avez récupéré la plage? Non, mais vu qu'on veut la récupérer, on fait genre on fidélise notre clientèle. Mais là, si les Mara viennent nous baise, moi je trouve legit. Hein. Tiens, prends ta conso. T'es là, tu prends de la plotte, t'as pas honte. Hein. Depuis quand la plage c'est votre territoire? C'est à eux de venir nous enlever maintenant qu'on. Tu vois ce que je te dis? C'est pas notre territoire officiellement. Mais nous, dans notre tête, on veut le récupérer, du coup on vend, tu vois. Mais là, c'est à eux de venir nous baiser nos mères et nous dire barre-toi. Et c'est ce qui va peut-être arriver, tu vois, je pense que ça. Mec, oh les gens, frère, mais la tête ma mère, on va la récupérer, frère, regarde! Wesh! Je sais même plus à qui j'ai vendu! Faut qu'ils calpent. Voilà, faut que eux nous disent, voilà, on vous laisse la plage, on peut pas l'assumer. Mais du moment qu'ils nous disent pas la plage à vous, bah c'est pas à nous, hein. C'est pas parce que nous on dit que c'est à nous. C'est dinguerie la plage, frère! Et c'est déconné, tout le. Les clients, les hermanos. Ouais. Meilleur que Vanoud. En fait, ce qui est bien à la plage, vous êtes les plus en place. Non, on est le dernier groupe, on est le dernier gang arrivé, Flamby. Mais après, on s'est développé vite nous, parce que tu connais. Mais non, sinon, il y a des. Je pense que les Maras sont beaucoup. Je pense que les Maras sont beaucoup, sont mieux que nous en termes d'armes, d'argent. Ils sont plus implantés niveau véhicule, etc. Nous, je pense, on est dans le top, mais on n'est pas les mieux implantés, tu vois. Parce que tu gères pour la voix. Merci beaucoup, Hugo. Vendre des joints c'est 30. Non, les joints c'était fou quoi, ça pue sa mère. Mais regarde juste l'animation pour vendre, c'est stylé. Je lui passe le pochon, il me passe l'argent. Tiens, hermano, tiens, prends la frappe sa grand-mère et apprécie. Il y a des coyotes sur le parking de l'autre côté de la fête foraine. Tiens. Oh, tous les clients. Mais ils ont fait un truc pour les PNJ ou quoi? Ah, c'est quelqu'un. Y'a quelqu'un là qui. Lève, aïe, aïe, lève. Lève. Regarde l'autre, il a endormi, l'excès. Oh là, réveille-toi. Viens avec moi. Aïe. Toi, nique ta mère, sale noire. Attends, voilà, je nique le noir. Vas-y, nique-le. Tiens, regarde la puissance. Regarde la puissance. Regarde la plaie, allez, Armano, j'en ai 5 ans. Faut pas qu'on le recule, j'ai ton Armano. Arrête. Tu fais quoi? Arrête ta grand-mère, tu veux pas, il a une arma. T'as pas, je l'ai planté là, ton je sais pas qui là. Vas-y, recule pour favor avec moi. Je pensais que c'est mon habitant, t'es sa mère. J'ai pas niqué quand je t'ai vu. Regarde José, regardez José. Il court.
Il s'en bat les couilles, José. Par contre, bon, est-ce qu'on va pas bouger couteau sur la gorge, je dis, parce que je crois que c'est à mon tour. Le coiffeur. Tu veux quoi? Ah, en fait, elle est vraiment. Soyez vifs, vous êtes deux, soyez vifs! Je vous préviens. Bon, on est chez toi. Avant, vous êtes deux! Pourtant, on s'est affronté hier. Bah, mais soyez vifs, regardez ces merdes avec moi. Ils sont deux, ils prennent deux armes blanches. Le coiffeur, dépêchez-vous, les armes. Mais putain, mais pourquoi. Je suis avec des merdes, moi je suis deux. Je vends avec les deux merdes. Ils sont là, ils sont 1, 2, 3, 3 avec un qui a coupé. Mais range le couteau, toi. Range le couteau, toi, tu vas voir. Par qui? En bas du coiffeur. Oh, mais pourquoi je vends? Avec quoi? Non, longez la bagnole, les Hermano, et je suis là, c'est tout. Des couteaux. Rien, moi j'ai rien. Mais nique-le, oui. Vas-y, reste contre le mur, pour favor. Ici, là, face à moi. Reste là. Là, je me sens en sécurité, sa mère. Je te vois, radio, parler là-bas. Vas-y, viens. C'est où? Pas un mec en blanc qui lève les mains en face de moi, Hermano. Ah, voilà. Je plus jamais jouer avec eux. Les deux là, plus jamais jouer avec eux. Hermano, ma pose, elle est pas précise, donc comment tu peux dire ça? Dans magasin de masque, tu continues la route, Hermano, vers le manège. Le gardien en plus. Le gardien. Les cochons, c'est un gardien, pas le gardien. Du coup, voilà. Comment t'es lié à moi, par favor? Tu me demandes vraiment, je suis qui? Si, bien sûr. Je suis le chef des chefs, Hermano. Et l'Hermano, c'est le chef que j'ai, merde. Et Calimero, monte à la moto, continue juste tout droit, Hermano. Continue tout droit. Continue tout droit avec la moto, je te vois. Pas un qui s'est dit on va chercher un des armes, on va revenir, on va chercher des calibres. Voilà. Il regarde, laisse regarde. Voilà. Deux tombés qui se regardent. On fait quoi? Oh, tête de chips. Apparemment c'est le TP de Zasekas. Jure le TP de Zasekas, c'est ça? Si, bien sûr. Pourquoi? Ah bon? Bon, du coup, tu vendais quoi avec Manu ici dans le tonado? Je vends des joujoux. Alors, qui vendait? Elle est possible. Encore tu as sa mère. Bon. Reculez avant que je plante sa mère. Oh, les flics, qui me sauvent! Reculez avant que je plante, c'est mieux pour vous, par favor. Pourquoi vous croyez que. Putain, j'aime que ma chine, merde! Finir, par favor. Oh, les marais sont dans la merde! Bon, malheureusement, on se reverra. Ma vengeance sera terrible. Au revoir. C'est ce qu'on verra. Je prends avec moi ou pas? Eh, t'es sûr? Bah vas-y viens, viens avance pas voir tout droit là. Viens, ouais, on va te déposer plus loin, t'inquiète. Attends, pousse. Attends, je vais regarde-moi. Ouais. Regarde-moi. Je te regarde. Oh, attends, je vais regarder. Puta madre mia, tiens. Oh, téléphono, radio, par contre. Recule, Paco. Ouais, d'accord. Je comprends pas, On n'en parle qu'hier. J'ai vu personne me braquer, seigneur. Personnellement, j'ai vu quelqu'un vous braquer avec une arme à feu. Je sais pas, moi, c'est pas ce que j'ai vu, moi, seigneur. Désolé de vous avoir. Bah, t'as vu quoi, toi? Je sais pas ce que t'as vu, mais il faudrait que t'achètes des lunettes. Rien vu. Moi, je sais pas. Baisse les mains, Mousquito. Quoi? T'as vu, j'ai rien à voir, Digger, parce qu'il me braque, là, c'est fou. Moi, je peux baisser les mains, moi, par favor. Eh hey, les flics, pour une fois que les flics ils me savent. C'est des collègues qui arrêtent un mec. T'es mignon devant les poyos, toi. Pareil, je vois un mec avec un Beretta, je fais bah. T'es mignon devant les poyos, toi. Même tout à l'heure, j'étais mignon quand même. C'est vrai. Hey, j'ai rien fait, hein. Moi, t'es plus otage. Eh, Bilou. Alhamdoulilah, elle est pas rentrée au Heps. C'est drôle. Voilà, ça fait trop plaisir pour lui, t'as imaginé, wesh. Comment ça, monsieur? Là, il est où là? Drôle.
Non, il y a mon 400 personnes. Ah, je comprends plus rien. Regarde, moi, autant que vous venez, mais vous avez rien capté. Non, l'autre, là, le mec, puis j'ai arrêté. Mec, t'as arrêté. C'est la cave vendue devant nous. Mi gangster, mi magicien. C'est barre. Les deux. C'est normal, ça. Le chapeau, c'est ma petite touche. Ah, c'est le petit truc, hein. C'est ton petit truc d'abord. Il faut rien, on discute avec lui, il faut gentil. Ouais, monsieur. Mais attends, mais tu parles à qui en fait? Du coup, je pense que c'est un malentendu. Je pense que c'est un malentendu, hein, vraiment. C'est quoi? Il y a rien. Check mon pote, quoi. T'as malentendu, c'est un malentendu. Oui, c'est un malentendu. J'étais en train de demander des chouchous. Je pense que c'est avec des clients. Ça va, quoi? C'est mon ami, t'inquiète. Je comprends rien, tout le monde parle, je comprends rien. Ta mère. Bah non. J'ai le droit d'être ici. Allez, du coup, je peux y aller, monsieur les agents. Et madame. Tu t'appelles comment, toi? Moi, je m'appelle Hugo. Non, pas toi, attends, je m'appelle. Toi, là. Vas-y, moi, je m'appelle. Non, pas, je te le dis. Victor Salamanca. Hop, oh, déloge. Allez, venez, on va vendre des. Jure, mais merci beaucoup le Batros encore, mon ref. Il est en face. Regardez, Vanoud aussi, hein, y a du monde. Vanoud, c'est une dinguerie aussi, hein. Il y a des lobbies qui sont costauds, attention. Les lobbies sont à l'intérieur. Eh, nous rigolons de tout. Ouais, mais eux ils rigolent pas. Eh, je m'en bats les couilles, moi je rigole. Tu vas rien comprendre. Coucou, c'est vous quoi? Les mains en l'air. Les mains en l'air. Eh, prenez-le, on a pas beaucoup de temps à perdre. Allez, vas-y, putain de merde. Je monte, bouge pas. T'as pas la place, viens. T'inquiète, Paco, t'es prêt? Il pas de prêt là, il va le soulever et le porter sur le téléphone. Hop là. Oh, d'accord. Ah, je peux pas être plus rapide en radio. Descends. Sa mère, il est croix. Il peut pas déverrouiller sa gouttière. Il lève les mains. Voilà. Allez, on va rentrer au seigneur. Téléphone ou radio pour la voir. Allez, monte. Qu'ils me disent pas, je suis pas vivre radio, je pouvais rien faire. On va faire une petite balade. Ouais, je pouvais rien faire, il me braque instant. Maintenant, maintenant. Et hier, j'ai discuté avec un intermano, il m'a dit à Skip, il est parti pleurer vers les Dogan en disant « Ouais, Jefe Dogan, ils ont voulu me prendre 200 grammes de mètre. » Ah non ? Hier, l'autre fois, les balas. Ah, les balas ! Ah ouais, c'est vrai ça. On les a braqués, ils ont appelé papa Dogan. Quoi ? En gros, ils sont partis péter les balas pour prendre de la mètre. Et t'as les deux gangs qui sont venus les sauver. Et t'as le Ojibalas qui a dit Jefe, ouais, Dogan, por favor, ils ont voulu me prendre 200 mètres. Comment ça se retrouve? Ah là là. Ah, t'as aimé la dernière fois ou pas? Aimé quoi? Torture que tu m'as faite, poto? Attendez, je mets un pôle mode cinématique. Si j'ai aimé, tu veux que je te montre si j'ai aimé ou pas? Ou tu veux que pendant mon temps? Non, tranquille, hermano. Bien sûr? Si. D'accord. Bon, donc la dernière fois, tu t'es permis d'engager des personnes pour me torturer, poto. Tout à fait, j'ai payé énormément pour ça d'ailleurs. Retire tes mains derrière avant que justement je te fracasse quelque chose tout de suite. Ça me grattait, seigneur. D'accord. Bon, revenons à nos moutons. Tu as payé combien? 25 000, c'est ce qu'ils m'ont dit, non? Si, hermano. Ils s'est attrapé, ils ont un peu cassé leur couronne et ça aussi, tu sais. Tu sais pour qui? Je leur ai dit que j'étais prêt à leur payer direct le double de ce que tu leur donnais s'ils arrêtaient ça maintenant. Tu sais ce qui me sortait? On adore faire ça. On adore. Oh là là. En fait, on adore torturer. En on adore. Fait, je pense que j'aurais pas dû payer. Je pense, hein. Parce que pendant la torture, c'est carrément moi, je leur disais, mais doucement quand même. Oui, bien donc, sûr. Je pense qu'ils l'ont fait avec un grand plaisir. J'ai des vagues souvenirs de ce que tu disais. C'est poteau, il voulait me l'écrire ça sur le dos. Même si c'est même toi qui les empêchais. Bah ouais, parce que je pense qu'ils prenaient un peu trop à cœur. Mais. Tu les as attrapés. Mais tu sais que moi, je suis eux. Tu me proposes le double, j'accepte. Toi, de quoi? Si je t'ai dit, si je suis à leur place, hermano.
que je suis en train de torturer quelqu'un pour 25 000, que toi tu me proposes le double, la tête de ma mère que j'accepte. Ils auraient peut-être pesé le double, mais ils ont rien voulu savoir. Ils étaient en train de rigoler, je sais pas quoi. Eh, ces poteaux, ils ont déjà emmené une séquence de personnes là-bas. Ils nous ont proposé leur service. Ils sont habitués de la même manière. Toujours les mêmes masques, les mêmes coupes, tout. On a été posé la question ? Si, c'est nous. Mais voilà. Pourquoi ? Pas besoin d'être inspecteur pour savoir tout ça, toi. C'est ce qu'ils sont débiles, des débutants. Mais bon, on va dire que tu as engagé des personnes. Et maintenant, ça va se retourner contre toi, qu'est-ce qu'ils te disent ? Maintenant, ils veulent savoir pourquoi tu as fait ça. Et moi, je m'attendais à être soutiré des informations. Je pensais que tu allais me poser des questions pour toi. Non. C'était, hermano, c'était pour mon plaisir. C'était de te montrer à toi, jefe Arvaro, que pour moi, tu n'étais pas à ma hauteur. Que moi, j'étais un peu plus haut et que je me permettais de prendre du plaisir devant toi qui souffrais. Ah, non. Eh, continue, j'aime bien quand tu me dis des trucs. J'aime bien. C'est le plaisir personnel, c'est... Je sais pas, j'en rêve encore de ce soir où je t'entends gémir avec l'électricité, où je t'entends presque pleurer ta maman dès qu'il te découpe là dans la peau, hermano. Pour moi, c'était une satisfaction. Ça n'avait aucun prix. D'accord. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est vrai. Un plaisir personnel, comme tu dis. Tout à fait. Hein, putain, t'as pris du plaisir ce jour-là, hein? La daronne d'Ainot est à l'abri. Attends. Salut, oui, je hermano, voulais là, savoir là, pour la cocaïne, vous n'avez pas le droit d'aller guetter. Farmer en live. Attends. T'as perdu de la poigne, hermano. Eh, vous semez pas. Merci beaucoup pour ton don. Attends, je vais te répondre après. Mais pendant la scène, vous semez pas, poigne. Faites rien. Bien sûr, regarde. On peut faire mieux différemment, tu vois. On va commencer doucement. Sa mère. J'aime trop quand je saigne, hermano. Ça réveille des démons en moi. Ah bon? Regarde, je vais t'en donner plus là, toi, poto. Sale merde, va. Attends, c'est moi la merde qui va payer d'autres personnes pour me torturer, hein? Bon, je voulais pas me salir les mains pour une merde. Ferme ta gueule. Merde comme moi, poto. C'est qui la merde maintenant qui est en train de justement subir? C'est toi ou c'est moi? Ce jour-là, tu sais que si j'avais compris que c'était pour tes raisons, tu crois vraiment que j'allais moi-même monter avec toi? Et savais que c'était pour de la torture? Je sais pas, hermano, mais tu t'es livré à moi. Elle pensait que tu voulais discuter, arranger quelque chose, parler comme des hommes, toi. Maintenant, tu m'as pris, tu m'as amené à me torturer, poto. Voilà, jefe, t'es trop fort. Arrête, hermano. Arrête, tu commences à prendre du plaisir. On va passer au niveau supérieur si tu veux, d'accord? Ensuite, on va partir. Niveau 2. Retire ton pantalon, tes chaussures et tout ça, toi aussi. Jure. Si. Ou bien, on va passer les tes vêtements. Va me circoncire, va faire quoi? Tu fais quoi là? Je suis assis. Devant moi. Tu m'as dit assis. Prosterne devant toi. Tu as compris qui était ton jefe, c'est bien. Non, t'es pas mon jefe, je me prosterne que devant. Remets-toi à genoux, rapido. Et je préfère. Ah là là, hermano. Bouge pas trop. Attendez, j'enlève les alertes. Merci beaucoup, Flato, je vais te répondre après. C'est pour pas que ça gâche la scène, les alertes. Je te sens comme un peu mieux, non? Si, hermano. Lève-toi, poto. Tout ce que tu m'as fait subir, c'est encore rien du tout. Comment je me lève? T'entends? Hé, hey, refais-qui, toi, électrocuté. Hé, moi, électrocuté. Poto. Jure. Tu vas se relever. Bah là, bon, il a fait frère. Il a raflé la cuisse, sa mère. Matsayambe. RF, là, il croit qu'il a mal à sa yambé. Ma jambe. Merde. Ramène-moi un marteau, une batte, n'importe quoi. D'accord. Ma jambe. Mets-toi sur le dos par terre, là, poteau. Bien comparé à tout ce que tu m'as fait. Aïe. Ma jambe. Donne. Tiens. Gracias. Allez, sur le dos, poto, sur le dos, je t'ai dit. Aïe, je suis sur le dos là, hermano. Sur le dos. Mets-toi couché, poto. Hein?
Eh. Mets-le en position comme Jésus. Les bras écartés. Allez, Seigneur, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Il arrête un peu de bouger. Mais je dois faire quoi? Ta grosse tente. Je dois faire quoi? T'as fait quoi? J'ai pas compris. Alors, ça c'est le PLS, ça. Mais... position latérale de sécurité. Mais je dois faire quoi? Bref. Écoute, on va prendre son bras gauche, on va le détruire quelque chose, tu vois. Ce jour-là, tu avais pris du plaisir à midi. Maintenant, on va voir si tu vas pouvoir... Qu'est-ce qui t'arrive, là? Brise le poignet comme si tu peux plus tirer. Non, on va pas arriver là. Juste, on va briser quelques articulations. T'as pris ce que j'ai entendu hier. Ah, ta gueule. Allez. Ton bras gauche maintenant, allez par terre là, le bras gauche, tiens lui bien son bras hein, pendant qu'il bouge. Allez ta grosse, voilà. Tu bouges pas. Voilà, tu bouges pas. Ton bras droit maintenant. De toute façon, espèce de merde, j'ai pas besoin de tirer, tirer vu ce qu'ils t'ont fait hier. Ils ont pas besoin de moi. Ils ont pas besoin de toi, c'est vrai, ils ont été meilleurs. Hier, moi tu dis clairement on a fait de la merde, tu sais. Mais c'est pas grave, qu'est-ce que j'aime te faire ça, puto? Ah, merde! Mais ça n'a pas de prix là ce qui se passe là. Personne dans les environs? Ouais, là il est en bonne position là. Bon, je pense que c'est avec ses deux bras c'est déjà assez. Je pense qu'il on va dire que la radio mal il sera un peu engourdi, mais bon, il pourra encore les utiliser. Espèce de merde! Ta gueule! Ferme-la, Poto, avec tout ce que tu m'as fait subir ce jour-là, c'est rien encore tout ça. Arrête. Vous allez voir la colère des astéroïdes. Des astéricas. Oui, bien sûr. Vive la marra. Qu'est-ce que ça a rajouté ou pas? On va vous emmener en enfer, bande de merde. On t'a bien dit, on a eu cette conversation, on sait très bien que les zones de vente, c'est comme des tentes qui chouent, non? Donc si, on perd la planète, t'inquiète, on récupère un jour, ou pire on ira chercher quelque chose d'autre, comme peut-être Vinewood, toi. C'est bon. On vous attend. Eh, peut-être qu'on a perdu des armements pour encore se défendre. La prochaine fois, on veut tous ces jours là-dessus. Si vous nous faites tomber, tu verras, la playa sera à vous. Tu entends? Merde. Top. Merde, pourquoi il y a les alertes? Tiens, des poteaux. Non! Si, si, Armano, si, si. Tu manges aujourd'hui, tu verras, ils vont raser ton barrio, les autres. Eh, moi j'ai dit un truc. Il n'y a pas que les Aztecas ici en ville. On a du monde un peu sur le dos. Donc hier, on a fait jouer un peu avec vous. C'est donc pas qu'aujourd'hui, on ne cherche pas après vous, d'accord? Pas qu'on a peur, non. C'est juste que. On va dire qu'on a plusieurs préoccupations, tu sais. Et tu n'es pas le seul à voir à la playa. Donc, si ce soir on ne se courage pas, au moins, c'est pas grave. Je me suis déjà fait assez plaisir. Puto, merde, il faut des putains. Non, c'est casse. Laisse-le crier là par terre. Allez, Herman, on y va. Bonne de merde. Je vais vous baiser vos mères. Vous allez voir. Je te passe un dollar. C'est pour tes soins. Donne-le à ta mère. Aïe. Aïe, aïe. Merde. Tiens tes affaires de merde là, prends ça. Plutôt. Ben la scène a été stylée hein. Attendez. Attendez. Merde, c'est où le SOS? Merde, hein?
tu peux pas sortir ton téléphone quand t'es allongé. Quelqu'un qui est connecté. Allo, allo, Refi. Ouais. T'es où, t'es où? Chercher la marina. Ok, ok, on arrive. Ah, vite, par là où les... Ah, ouais. Ah, je veux pas courir. En fait, j'ai du mal avec les touches. Voilà. Reste comme ça. Bah, la scène a été vraiment stylée. Ils m'ont baisé. Je pouvais pas m'en sortir de cette merde. Les hommes arrivent. Ouais, mais je préfère appeler mes hommes quand même aussi, tu vois. La scène était vraiment stylée. Je sais pas comment vous l'avez trouvé. C'est normal qu'ils se vengent comme ça. Assuré, j'ai piétiné. Assuré, on a kidnappé. On a kidnappé le. Le réfé, on l'a torturé au. On l'a torturé au. Avec les panthéros. Et c'est normal qu'il se venge comme ça, c'était stylé. Bon, il m'a baisé ma mère là. Là, je pourrais strictement rien faire là. Là, ils m'ont fait caca sur moi, les bâtards. Il m'a pété mes bras. Là, du coup, ben ce soir, ben si ça tire, ben je pourrais pas tirer. Quoi, pourquoi il est tenu, Ils ont vraiment mis le réfé tout nu. Allez. Réfé, ça va ça... Attends, okay. Ils vont arriver les EMS. Oh, comment... je vais les baiser. BAA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 A
Non, je veux juste... Je vais les canner.